dans le bouddhisme zen, on a tendance à faire un petit peu, vider son mental. Alors que dans le bouddhisme tibétain, il y a une direction, souvent. Il y a des méditations sur des thèmes. Bon, après, effectivement, c'était aussi dans l'hindouisme. Ils ne parlent pas de religion en Inde. Enfin, ils ne parlent pas de l'hindouisme, pour eux, ce n'est pas une religion. C'est leur tradition, c'est leur façon d'être. Et il n'y a pas de. Quand vous demandez à. Comment dire à, vous allez dans les ashrams et vous demandez qu'est-ce que c'est que l'hindouisme, on vous dit ben, l'hindouisme, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pour eux, tout le monde est. L'hindouisme est partout, en fait. C'est leur vie qui est comme ça, qui est ainsi fait. Alors, je voulais revenir sur l'idée de. Là, parce que Nietzsche parlait d'analgésique de la souffrance, mais en fait, non, il n'y a pas d'analgésique de la souffrance. Ça voudrait dire qu'on met un mouchoir sur la souffrance et qu'on empêche la souffrance d'exister, mais que voilà, la souffrance est toujours là. Dans le bouddhisme, en fait, il n'y a pas l'idée d'un paradis, d'un nirvana qui est à l'extérieur de soi. Il n'y a pas l'idée d'une montée vers. Il y a en fait, tout est là, ici et maintenant, mais on ne sait pas le voir. C'est-à-dire que ce que permettent différentes techniques de méditation et autres, c'est à un moment donné d'atteindre, mais en même temps, il n'y a pas cette idée de volonté d'atteindre, c'est que ça se fait à un moment donné parce qu'on est prêt à ça, parce que le mental a disparu, et qu'il y a ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil qui apparaît, ou on peut appeler ça la réalisation chez les hindous. En ce moment, il y a un phénomène qui s'appelle le néo-advaita, qui est très à la mode, avec des saxons, vous connaissez un petit peu peut-être, où là, il n'y a même plus d'enseignement, c'est simplement la reconnaissance que nous vivons dans l'illusion et que ce que nous prenons pour la réalité n'est pas la réalité, ni qu'une illusion. C'est-à-dire que nous sommes tous des personnages et que ces personnages sont des manifestations, simplement, mais ne sont pas la réalité. Et en fait, quand le voile de l'illusion disparaît, on atteint ce qu'on appelle l'éveil et ce qu'on pourrait appeler le nirvana, en fait. Mais souvent, nous, on parle en tant que... Avec nos religions, on a l'impression, en Occident, qu'il faut atteindre un but et que le bonheur se situe à l'extérieur de nous et dans un autre monde, dans l'au-delà. Alors que chez les orientaux, la plupart du temps, ben non, tout est là, tout est là, mais on ne le sait pas, on l'a oublié et on ne le voit pas. C'est, il y a une confusion à ce niveau-là. Et en fait, la souffrance, pourquoi on dit la cause de la souffrance, c'est l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est simplement le fait qu'on confonde le monde de la manifestation avec la réalité. La réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est pas ce qu'on croit être. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette connaissance? C'est le mental, qu'on pourrait appeler l'ego. Et c'est en fait le mental qui est l'obstacle majeur à cette connaissance. Donc, les techniques de méditation, par exemple, sont des techniques qui permettent de prendre conscience, parce qu'en méditation, on prend conscience qu'on a des idées qui nous envahissent sans arrêt, alors qu'on n'en a même pas conscience, ça nous paraît normal, on n'y pense même pas. Quand on est en méditation, d'un seul coup, on se dit, mais je n'arrive pas à faire le vide, je n'arrive pas à me positionner juste sur ma respiration. Il y a des techniques comme ça de concentration sur la respiration, et à ce moment-là, les idées arrivent, ça fuse de tous les côtés, et déjà, on prend conscience qu'on est envahi par ses pensées. Donc c'est des techniques qui permettent simplement de prendre conscience. Et petit à petit, on apaise son mental, et plus on médite, et plus on se rend compte, les pensées sont toujours là, mais de plus en plus dissipées, il y en a de moins en moins, et on arrive à s'installer dans la méditation, à s'ancrer en fait. Voilà, c'est des techniques comme les enseignements qui nous permettent aussi de réfléchir sur, c'est pas qui nous sommes, qui nous sommes, nous ne pouvons pas savoir, puisque c'est le mental qui nous fait poser cette question. C'est simplement observer ce que nous sommes et se dire qui est ce personnage qui parle, qui est ce personnage qui agit, qu'est-ce qui fait agir ce personnage. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu confus ce que c'est juste, je pense que tu me confirmes que finalement, j'avais pressenti, c'est que Nietzsche n'avait pas compris le bouddhisme. De toute façon, parler d'analgésie contre la douleur, c'était montrer qu'il n'avait pas compris l'essence même du bouddhisme. Parce que la souffrance elle-même, c'est l'ignorance. Et oui. Et l'ignorance, quand un être éveillé n'est plus dans l'ignorance, donc il ne souffre plus. Et quelle différence faites-vous entre l'ego et le mental?
Alors, c'est des termes occidentalisés, en fait. Je pense que c'est les traductions, parce qu'on essaye de tout faire. Mais gros, c'est du latin. C'est pas très oral en latin.